Hey, c'est tout, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 2 de En route pour le SSL. Actuellement, j'ai C2. C'est parti. Ok, c'est parti, on est avec Kebro. Donc là, je suis 1614, donc j'ai un peu descendu, mais de pas grand chose, donc c'est pas très grave. On est toujours GC2, évidemment. C'est parti, donc ouais, 1630 à peu près, en moyenne. Hop. Le kick-off est ok. Bon, on va aller sur le ballon, comme on a vu que notre allié a fait une rota plutôt large. On va attendre. Je pense qu'ici, on n'a pas l'avantage. Ok, ça joue en l'air. On va pouvoir y aller, mais je suis pas premier, du coup. On va juste fake challenge. On va attendre encore. Ok, j'ai eu un peu de chance. C'était un peu compliqué. Je peux faire une passe, en vrai. On va suivre. On va pouvoir retaper celle-là. Comme j'ai vu qu'il attendait à droite. Au début, je voulais la mettre à droite, mais... J'ai vu que... Ok, dommage. Le bump n'a pas suffi. Je l'ai fake une fois. Ok, je voulais juste le boost, j'ai raté. Oh. On va dire que ça a fake. Ok, bon, c'est un peu le bordel. Pourquoi pas. Je vais mettre là-bas, mais je vais pas gaspiller mon boost. On va juste attendre tranquillement. On va se mettre en dessous. Ok. Bon, elle s'était un peu osée. Mais je pense que s'il fait une bonne rota, il n'y a pas de problème. C'était un risque que j'ai pris, je le ferai peut-être pas, on verra. Parce que faire plusieurs fois un rush comme ça, en fait, quand ils s'habituent, les mecs en face, après, ils te passent beaucoup plus facilement. Je m'attendais pas qu'ils sautent sur celle-ci, j'avoue. Bon, c'était compliqué, j'avais la caméra... Oh, j'avais la caméra voiture, j'ai pas fait gaffe qu'elle était dedans. Et du coup, mon dégagement était nul. Était très très nul. Ok... Bon, il a fake kick-off. Pourtant, ils sont pas en duo. Pourquoi pas. Ouais, ils ont trop bien joué. J'ai essayé de démo. Il a instant fait une passe. Et bah, ils ont trop bien joué, écoute. Hein. Pour l'instant, c'est compliqué. Faire les kick-off en plus. Je suis à 0, on va continuer, mais je peux pas faire grand-chose. On va la laisser. Hein. Ok, là, on peut suivre. Il a une bonne balle. Hop. En plus, on a du boost... On va pas s'en priver. Bon, il n'a pas fait une action de fou. Ok, il nous rend la balle. Je me fais bump, hein, c'est vraiment coup dur. J'essaie de la mettre à gauche, dommage. Sans le bump, en vrai, ça aurait été une bonne balle. Mais là... Bon, en vrai, j'ai un peu raté, mais ça va. Ça a contrôlé pour mon allié. Je vais chercher du boost en même temps. Hop. Ah, c'est mon allié qui me rush ici. Je pensais que c'était un ennemi, je me disais pourquoi... Je me demandais pourquoi quand même. C'était assez bizarre. Pourquoi pas, hein. Écoute. S'il voulait cette balle, il avait sûrement raison. Ok, là, il perd. On va pouvoir récupérer cette balle, tirer même direct, quasiment. Ok, il s'y attendait. Tu la prends. Ok, j'ai re la balle. Je vais fake, je pense. Ok, ça te donne la balle. Comme j'ai mal setup en fait, c'était assez compliqué de suivre. Oh le timing! Ok, on a une bonne balle là peut-être. Il a réussi à passer. Ouais, là on n'aura pas plus. On va rester derrière là. Hein. On va se refaire. Tranquillement. Ouais, il savait exactement ce que j'allais faire. Le mec en face est juste trop fort en fait. Genre, juste trop fort. Ok. Bon, c'était nul, mais je pensais qu'il y aurait pu avoir une démo ou une passe. Mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu jouer avec moi. Ok. Bon, on va le suivre tranquillement. Sans jeter, parce qu'on voit qu'il galère un peu. Hein. On voit que ça galère un peu, je sais pas ce qu'il fait. Il n'y a personne qui veut le jouer, ça sert à rien ce qu'il fait en fait. Ça se voyait. Il était en galère, du coup tout le monde le laisse dans sa galère. Ok, je me fais cut, mais c'est pas très grave puisque j'ai encore du boost. Okay, je m'attendais à clear. Ok. Bien joué. C'est une belle passe. J'étais un peu loin parce que, bah, au cas où il se faisait contrer tout ça. Ok. Bon, on n'a pas de boost. Enfin, lui, moi j'en ai, mais. Du coup, on va pas trop jeter tout de suite. On va essayer de le faire en plusieurs temps. Ok. Ok, la balle est chiante. J'ai entendu sauter, du coup je le laisse.
Ok. Ça passe? Oh, dommage. C'était assez hasardeux, mais pourquoi pas. Alors, vas-y, hein, écoute, je joue tout seul, frérot. Oh, bien joué. Elle est jolie. Elle est jolie. Je vais laisser, il m'a dit je l'ai. Je vais laisser. Bon, il est potentiellement en train de me carry. En tout cas, sur cette fin de game. Parce que j'ai du mal à trouver des opportunités. Et lui, il les trouve plutôt facilement. Je vais tirer. On va y aller en deux temps. Je peux bump, non? Non. C'est pas très grave. Ouah, au moins une balle. Bon, c'est pénalty, hein, droite ou gauche. J'ai été à droite. Il a tiré à gauche. Là, j'avais pas prévu ça. Dommage, c'était une bonne game. Ok, c'est parti. Du coup, on est 1600. Donc là, le LO sera un peu bas. On écoute une bigarre. Ok, c'est parti. Attends, quoi? Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont kick-off à deux? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, c'est possible, genre? Ok, je sais pas, il a du kebab derrière. Bon, c'est des choses qui arrivent, on prend un but. On va pas non plus crier victoire trop vite. Ce qui serait un peu bête. Je vais le laisser. Ouais, il la met dans tous les jours. Hein. Tous les jours. Là, je pense qu'il faisait une rota une plus rapide et il pouvait l'avoir, mais... En fait, comme je dis, j'ai trop l'habitude des rota fast. Et moi, comme je fais que ça, des rota fast, j'ai mes timings en tête. Tu vois, des rotas comme ça, hop, tu vas direct ici. Tu prends les boosts ici, bah tu gagnes 5 secondes facilement, genre. Et c'est beaucoup trop important au kick-off d'être là rapidement. Mais du coup, ça fausse un peu mon jugement. Essayer de faire une passe, ça passera pas. Dommage, c'était une bonne action. Je vais mettre une frappe un peu chiante. Ok, Miguel. Moi, j'ai pas cru, il y avait une ghost touch. C'est con. Je vais juste aller chercher du boost, moi. Je peux tirer, je pense. C'est un peu compliqué à cadrer, mais... Ah. Pourquoi t'es parti chercher du boost? On l'a vu sur la droite. Il voulait aller dans le corner droit. Il n'y avait aucune raison. Bon, c'est pas grave. La dernière défense, se jette pas. On voit qu'ils veulent faire une transi, du coup on va reculer à fond. Simple touche pour lober. Ok, il était juste derrière. Mais ça rend le ballon. Oh, il est pas très bien placé là. Heureusement qu'il se rate lui. Je crois qu'elle est cadrée. Ok, c'était une belle frappe. C'était une belle frappe. Heureusement qu'il se rate parce que là, sinon, c'était vraiment une situation assez compliquée. Ok, 2-1. Reste 3 minutes. Hein, donc c'est clairement pas fini. On va attendre. Il va essayer de me démo, je m'en doutais. Mais il aurait dû sauter. Hein. Normalement, il me démo, il y a but là tous les jours. DGC3 là me met un but sur ça, je pense. Ok, j'ai eu le boost, je vais attendre. J'arrive à avoir un bon 50. Ok, elle est au-dessus, je... Ah. Ouais, j'avais bien vu qu'elle était au-dessus, j'ai aussi appris shoot le tir. Ah, il n'y a plus personne défenseur, il est revenu en squishy save sur le poteau rentrant. Là c'est tendu. Ok, je l'ai. Voilà, mettons en l'air, ils ont sauté à deux. Ok, je vais pouvoir la dasher. Dommage, j'aurais dû prendre un compte peut-être, je sais pas. Oh, il s'est jeté en dernier def comme ça, genre, il a pas peur, hein. Il a vraiment pas peur, hein. Oh, il l'a. Elle est tout simplement au-dessus. Je devrais pouvoir la laisser, normalement. Elle était vachement sur la droite, donc il y avait pas trop de danger pour moi. Bon, ça, c'était assez risqué, j'avoue. Parce qu'il pouvait me battre s'il allait un petit peu plus vite. Ok. J'ai réussi à avoir le contre. Je vais pouvoir choper cette balle. Je la mets... Oh, je la mets deux fois. C'est dommage. Il peut pas passer. Bon, j'ai pas de boost du coup. C'est la galère, mais on est encore devant. Du coup, pas besoin de prendre trop de risques. Juste un petit tir. Ok. Il a pas vu. Il m'a pas entendu, je crois. Tant mieux. Tant mieux, parce que du coup, je peux mettre ce but. Ok, j'ai 600 points. La game d'avant, je suis inutile. Celle-ci, j'ai l'impression d'être un peu plus utile. Comme quoi, genre d'une game à l'autre, le niveau est tout à fait différent. Ok, je vais fake, je pense. Vas-y, retourne-y. Nice, ça c'est très très bien joué de sa part. J'ai gagné du temps en faisant ça. Beaucoup de temps. Du temps qui va me permettre de récupérer ce boost et me repositionner. Pour pouvoir contre-attaquer. Je vais fake challenge parce qu'ici, en fait, dans la position où il est, il peut pas me surprendre avec un tir très puissant. La seule chose qu'il peut me faire, c'est me lober. Et donc, si je me jette, bah, je vais me faire lober, tout simplement.
Du coup, petit fake change. Ok. On va laisser Nathalie se jeter. Je peux fake éventuellement un saut, tout ça, tu vois. Ça évite que l'autre derrière me démo très simplement. Si on peut jouer un 50. Et je pense que je peux jouer une petite pinch ici. Ok, pourquoi pas. J'ai du mal encore avec les pinches comme celle-ci. Je touche la balle, mais c'est tout. Sans plus. Je peux jouer un 50 s'il veut me jouer. Ok, il va juste me démo. Je pense qu'il était assez proche pour le jouer, mais c'est pas très grave. Je vais avoir le boost. Pas du tout. Ok, je l'ai eu. Il n'y a pas de chance qu'il mette un but là. Ici on s'arrête, hein. On suit pas notre allié dans le corner, même si on a 62 boosts ou même si on a encore moins. C'est très important de pas le jeter. Parce que s'il prend un mauvais contre, c'est open pour les mecs en face. Ok. On fait gaffe au monster clear. On fait gaffe à la redirect. On va pouvoir récupérer le boost. Là il l'a. Là clairement. Je suis parti à droite au cas où il voulait faire une transition. Mais il avait pas trop l'envie. Bon, comme il est en train de je sais pas quoi faire, on va laisser. Je vais vraiment jouer un peu safe. J'ai complètement raté. Et en même temps, ça fake. On va pouvoir choper le 50. Je pense pas que j'aurai boost si. Tant mieux. On pourra gagner du temps. Et jouer sur plusieurs touches sur le côté. Et même mettre un but. Bang. Celle-ci, c'était ma game. J'ai très bien joué ici sur la contre-attaque. C'est-à-dire, je savais qu'ils allaient se jeter un petit peu. Comme c'est bah, c'est la fin dans tous les cas. Et du coup, j'ai joué en plusieurs temps. Un dash pour pas gaspiller le boost. On boost pour récupérer une deuxième touche. Il m'en restait 60. J'ai pu recover sur le mur et hop. Bon, je suis en train de détailler le temps que ça touche le sol. Et c'est un gros GG. Donc on finit en 1-1 comme la fois dernière. Sauf que la première, je l'ai perdue. Bon, contrairement à ce que j'ai dit au premier épisode, je vais en faire plus que prévu. Donc probablement tous les jours, si je trouve le temps de faire ça. Parce que c'est vachement cool. Et ça peut être vachement intéressant. Et le format, j'aime bien tout. Donc si vous aimez bien aussi, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à plus pour un prochain épisode. Ciao, ciao.